la volonté de faire en sorte que les jeunes pianistes provinciaux, notamment, puissent justement avoir l'occasion de rencontrer des maîtres du piano français et puissent travailler avec eux l'espace d'un week-end. Et sachant que, je le rappelle, ils sont invités grâce à l'organisation qu'on a mise en place et tous leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge. Alors le mécène, c'est toujours effectivement Inetum. Avant, il s'appelait GFI. Il a changé de nom depuis le début de cette année. Et c'est Inetum qui nous soutient sans condition depuis 4 ans maintenant, presque 5 ans. Et c'est un partenariat pour lequel on a beaucoup de chance. Oui, mais en tenant, faisant attention d'avoir une voûte de temps en temps. Oui. La première des choses, c'est le poignet. Jamais bloquer le poignet. Si on bloque son poignet, c'est fini, tout est perdu. Deuxième chose, le pouce qui ne doit jamais entraver la liberté du poignet, ça c'est quelque chose d'essentiel. La pulpe, le contact avec la touche, qui en tirant construit la voûte de la main, qu'on appelle également le pont. Si l'épaule est libre, si je joue un accord très puissant comme ça, et que l'épaule réagit, et que je joue sur la pulpe, je vais provoquer le rebond. Et c'est le rebond en fond de touche qui va nous apporter la longueur de son. Ça s'appelle une sonate, ce n'est pas pour rien. C'est structuré, c'est construit. Et la construction, c'est aussi la pulsation. Ces énormes lignes qui se baladent au-dessus de la portée, tout le temps, ces énormes choses, on les voit. Mais si on voit ça, on voit vraiment que sa pensée musicale, c'était vraiment la ligne, l'immensité de la ligne. Et les phrases chez Chopin sont souvent extrêmement longues. C'est à nous de les incarner et de les faire parler, toutes. L'organisation de la masterclass, c'est vraiment super parce qu'on a le taxi, le logement, le repas super bon et le cours gratuit. Donc ça, je suis très reconnaissant. Et Laurent Cabasso, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc c'est un plaisir de pouvoir le rencontrer. Je trouve ça génial. Vraiment, on est accueillis parfaitement. Et non, c'est une superbe opportunité que d'avoir comme ça deux masterclass de Laurent Cabasso suivies d'un concert. C'est génial. Voilà. Bah forcément, je suis un petit peu stressée, un peu nerveuse, mais j'ai quand même assez l'habitude de faire des masterclass en France. Mais du coup, je suis assez plutôt excitée quand même. Il y a plus d'adrénaline quand même parce que j'ai hâte de recevoir des super conseils. C'est un super bon pianiste et puis les cours, ils ont l'air vachement intéressants. Ils nous expliquent vraiment bien tout en détail, tout ce qu'il veut nous faire apprendre, vraiment tous les petits détails, les nuances, au niveau du toucher, du rythme, tout ça. Franchement, je trouve ça super et puis du coup, j'attends de voir. Pour l'instant, un petit peu stressé, mais ça va le faire. Essayer de donner quelque chose de personnel, d'intime, je dirais. Il ne faut pas penser les choses par temps, il faut voir les phrases, où la phrase commence et jusqu'où elle va.
di da da, di da. Bien sentir la longueur de la phrase, là. Pas quelque chose d'une attaque directe, mais fa, fa. Progression, fa, fa, fa. J'entends les notes, fa, fa, pas ça. Mais ta, ti. La valeur longue, tout entière. Fa, sol, la, si, la, si. Sans presser la montée. Sans presser là. Non. Mi, fa, ré, mi, do. Si, do. Ré, fa, ré. Ré, mi, do, ré, si. Comment tu t'es senti, je peux savoir, là, au niveau de cette partie? Plus à l'aise. Oui. Ça ne te dérange pas, donc? Non. Bah alors, donc, c'est que c'est mieux. Parce que pour nous aussi, c'était beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux. Bloqué là de tenir droit. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de pouvoir rentrer dans le détail sur les premières lignes d'un morceau et de voir à quel point ça peut influencer la conception même de toute l'œuvre. C'est quelque chose qui est vraiment complet, c'est une super opportunité et puis aussi d'écouter les autres et d'avoir les conseils sur les autres, c'est même des fois presque plus bénéfique. On retire des fois des choses encore plus que pour soi-même, je dirais. Donc c'est vraiment super. C'est chouette de pouvoir recevoir les conseils de quelqu'un qui mâche pas ses mots et qui a pas peur de dire les choses, de dire des choses même quand on n'a pas forcément envie de les entendre. Il faut être assez persuasif et efficace. Le but, en fait, pendant chaque cours, est de vraiment provoquer un mouvement, si possible, dans le bon sens, un progrès, voilà, tout simplement, et leur permettre d'affirmer profondément leur propre personnalité à travers leur jeu.